J'avais fait que le let's play, j'avais pas fait tout ce qui est à côté en fait. Tout ce qui est secondaire et tout, je les avais pas fait sur Final Fantasy. Sur le 10. Mais le 8, j'ai pas fait les secondaires non plus. Après, Final Fantasy 8, c'est un peu différent parce que. Bah, c'est un Final Fantasy, j'aime bien les Final Fantasy, y'a pas de problème. Mais le problème, c'est que. Bah, ça a pas été mon préféré, en vrai. Je préfère le 10 au 8. Bon, après, ça, c'est selon les goûts des gens. Bon. Pour ceux qui regardent la rediff de live, donc on est parti. Donc on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Ah non, c'est pas le tour par tour qui me dérange en vrai. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui. Merde. Ah oui, il a déjà rempli. On va mettre du blé dans le champ. Par contre, je croyais. Donc on va aller planter du blé dans le champ. Non, le tour par tour ça me dérange pas parce qu'au contraire, le 15 c'est pas mon préféré parce que j'aime pas la partie qui font la partie qui est pas de tour par tour en fait. Ah ouais. Tac. C'est ça le souci que dans le 15, c'est le 15 ça m'a pas attiré à cause de ça en fait. Mais je vais le faire, je vais essayer de le faire en live aussi, mais quand je sais pas. C'est avec le 10 que je dois finir. Donc voilà, et le plus chiant c'est quand même tout ce qui est DRH et tout ça en vrai. Non, c'est pas ça. Je sais pas si je plante, non, je plante pas. Pourquoi je. Bah, c'est une. What? C'est bon. Allez, on est parti. Au contraire, le tour par tour, ça me dérange pas parce que Final Fantasy X, c'est du tour par tour aussi, en vrai. Quand on y pense. Donc voilà. Attends. Ok. Y'a pas besoin de mettre deux choses, c'était ce que je voulais voir. Tac. C'est quoi que je voulais faire? Oui. C'est ce que je voulais faire parce que je commençais à planter, mais je savais pas s'il y avait de la chaux, donc il y en a. Y'a pas de problème avec ça. Comment je fais pour lever? Oh là là. Tac. On va se mettre comme ça ici. On va reculer un tout petit peu. On rebaisse. On change de. Et on met B. Allez, on est parti. Donc là, on va mettre du blé dans le champ. Aujourd'hui, c'est un live. Pour l'instant, c'est un semençage de blé. Tranquillement. Enfin, je voyais avec Jonathan pour qu'il essaye de ramasser le reste de l'herbe. Il reste un petit peu d'herbe dans le. L'herbe, on verra ça après. Au moins qu'on essaye de se débarrasser de tout ça pour le vendre. C'est pas beaucoup d'argent, mais bon. C'est mieux que rien.
Donc voilà. Je crois qu'il y a une voiture qui m'a encore cogné. Donc là on plante du blé parce que l'objectif final de notre partie c'est de mettre une boulangerie en route et pour mettre de la boulangerie, du pain et tout, il faut du blé. Voilà. Dans la production on parle. Donc on prend notre temps. Ah oui c'est vrai, faut penser, faut que je... Ah ça c'est chiant ça par contre. Tac. Après je remettrai le coup de cours de fertilisation partout. Tranquillement. Après, comme je dis, farming, des jeux comme ça me permet de parler parce que parfois dans Final Fantasy X, ça m'arrive de pas répondre. Des fois, ça m'arrive de pas répondre parce que je suis concentré. Que là, sur farming, bon, c'est un peu différent. Que ce soit farming ou ETS2, s'il y a des gens qui veulent parler avec moi, ils peuvent. Ah ouais. B. Tac. Allez, on repart de l'autre sens. On fait une petite marche arrière. Ah oui, il y a les pierres à ramasser aussi. Bon. Ah si, il essaie de ramasser, Jonathan, c'est vrai. Bon là pour l'instant il est pas là, il fait autre chose donc moi je continue à semencer pour l'instant là. Donc dans ce live objectif à mon objectif à moi c'est de finir de semer le champ de blé pour la première épisode là. Tranquillement. Voilà. Ensuite ce sera de. Ensuite ce sera de. De travailler les champs pour les refertiliser correctement au propre. Et après on verra. Parce qu'il y a aussi Jonathan qui va ramener, donc ça dépendra ce qu'on fera, que ce que Jonathan fera aussi. En vrai. Donc voilà. Tac. En sachant qu'il nous reste une journée, 2 jours, parce que sur Fast on a fait avancer une journée complète, on n'aurait pas dû. Bon, ça arrive de se tromper. En vrai. C'est pas grave. On a perdu une journée entière aussi dans cette histoire. Mais ce n'est pas grave. Tac. Une petite marche arrière. J'ai pas levé la machine. Bah si.
Voilà. Je vais remettre en route mon autre compte, c'est comme si mon autre compte n'était pas là. Moyen, mais bon. Hop, allez, c'est reparti. Voilà. Allez bien. Tac, on fait une demi-tour et on repart là. J'espère que Jonathan va revenir en temps, parce que ça aurait dommage que je joue tout seul dans un serveur. Moi, sinon, j'aurais été dans une partie perso. J'aurais continué de solo. Oh, ouais. Mais bon. Tac. Se faire du. Ah, Désolé, je suis au téléphone, j'ai des choses à faire. Ah, bah d'accord. Bah, moi, il est revenu. Je disais, je parlais de toi juste avant. Je disais, j'espère qu'il va te revenir parce que. Sinon, Non, parce que faire du multi en j'avais. solo. Non, j'avais des coups de téléphone, tu sais, pour la musique et tout ça. Ah, d'accord. J'ai commencé à semer. Donc bah toi bah tu vas après il y a de la pierre à faire, il y a la pierre à emmener, même s'il n'y a pas grand-chose. Au moins s'en débarrasser serait peut-être pas La mal. pierre, on peut rien faire. Peut même pas la vendre. Si, mais on peut faire des choses, mais le machin, le télescopique, il est trop lourd, c'est trop lourd pour pour le télescopique. Tu peux le lever. À mon Tu avis lèves, bah, ça impossible. bouscule. Bah t'emmènes avec directement avec la machine. Faut pas emmener avec la machine. Rien faire. Que les pierres sont posées, c'est posé. C'est le problème. Mais tu peux. Je pense qu'il y a un moyen de le lever pour les mettre dans la remorque. Bah essaye, tu vas bien voir toi-même. Moi j'ai essayé.
À mon avis, t'as dû y aller trop vite. Non. En gros, je pense que si. Parce que je viens de te dire que la machine pouvait lever 4 tonnes à l'aise et les pierres, t'en as pas pour 4 tonnes. Ah, les pierres, c'est lourd, hein. c'est pas de. C'est ouais, de mais même. Herbe. T'en as pas pour 4 tonnes quand même. T'en as au moins pour 1 tonne et cake, c'est tout. C'est ça que je trouve bizarre. T'as bien vu hier. Ah, mais je pense que t'as été trop vite. Non, j'ai pas été trop vite, j'étais doucement. Hein. Bah, je verrai ça après, je vais essayer ça après. Moi, je suis sûr que j'arrive à les verser dans la remorque. Bah, sinon, faudra faire le. Bah, fertiliser les champs. Bah, avec ton tracteur, je pense que tu peux fertiliser mon champ parce que ça a pas poussé, donc c'est bon. On avait dit. Ouais. Ça, mon côté il tombe. Mon tracteur il tombe. Bah, parce que tu vas trop vite, je pense. Sinon, faut fertiliser les champs. Je sais que mon champ, tu peux le fertiliser avec ton tracteur parce que tes roues passent. Par contre, l'autre champ, non, tu peux pas. Tu vas tout écraser. En fait, c'est bien dans Farming. C'est bien d'avoir un tracteur avec des grosses roues, mais en fait, ça sert à rien. Moi, j'aime. Chacun c'est bah, c'est pas une histoire que t'aimes. C'est juste que ça fait perdre du temps, en fait. Eh ben, j'ai juste acheté les roues simples et j'ai gratuit après. Et après, si je rechangerai, j'ai gratuit. Les grosses roues, j'ai toujours les mêmes. J'ai gratuit, ça sert à rien. Mais c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire que. C'est juste une histoire que, en fait, les grosses roues dans le jeu, dans ce Farming, servent pas à grand chose, en fait. Moi, ça me sert. Pardon? Moi, j'aime pas avoir des roues plates. J'ai horreur. Bah, ils sont pas si plates. Et tu vas rire, mais ils sont pas si plates que ça. On les voit à peine, les miennes. Oui, non, mais moi, j'aime bien avoir les roues, toi, à la rive, machin. Après, c'est chacun son croûte. Hein. À l'avant, c'est plat. J'aime pas trop ça, moi. Ouais, mais bon, pour les champs et tout, ça ils servent à rien du tout, tes roues, en fait. Tu vas bien voir un jour, là ils ont mis, là il y a rien pour l'instant là. Tu vas bien voir que le terrain il va être bien mouillé et tu vas là t'as pigné là. Non, ça va pas changer grand chose parce que c'est la puissance. Ah si, le jeu, le créateur des jeux, ils ont changé quelque chose sur le terrain. Le terrain s'est modifié. Oui, mais là, c'est pas plus à fond. Mais c'est dès qu'il plus à fond le terrain est inondé. Ton tracteur il passera pas, il reste coincé dans le champ et c'est bon. Non, c'est pas, je vais te dire que ça n'a aucun rapport avec ça, c'est pas les roues qui fait ça. C'est la puissance du tracteur. On l'a déjà dit en plus. Non. Si. J'ai dit, c'est pas les roues qui sont mouillées, tu peux être embourbé. Embourbé, c'est à dire que tu peux être coincé. Ouais, mais les roues fines, t'es coincé. C'est fini. Il y a des gens qui ont essayé. Hein. Ah bon, moi j'ai déjà vu des lèvres aussi avec la pluie et même avec des roues fines ça part donc je sais pas où t'as vu ça. Oui, bah parce que là c'est que des petits plis, mais t'auras bien voir que avec le temps, avec la saison, t'auras bien voir qu'on va tomber à un endroit, tu vois, on va être coincé. Sauf que le problème c'est que pour les champs ça détruit les cultures, tes roues donc ça sert à rien. Là, c'est que je mette le bleu, le rouge. Hein? Bah c'est pas d'herbicide que je fais, c'est de la comment ça s'appelle. Bah en fait on est à 50% de d'engrais liquide, donc faut mettre les 50% derniers dans le champ pour être à 100% pour être bien. Il faut faire pareil sur les deux champs parce que le champ de la droite c'est pareil, il est pas à 100% non plus, le champ de betterave. Après, je crois que le champ de tournesol y est. Faut aller vérifier, mais je crois que le tournesol c'est bon par contre. Le dernier champ. Faut que tu ailles vérifier pour le dernier champ parce que je l'ai fait le mois dernier, mais bon, c'était le mois dernier. Peut-être que ça a changé depuis. Tu vois ce que je veux dire. Faut mettre la chaux aussi. Non, pas besoin. J'ai été voir y a pas besoin de chaux dans ce champ là. Dans le mien. Et dans le champ d'à côté, il y a besoin de la chaux, mais on va pas la mettre parce que. Parce que la remorque va écraser les cultures. Il va complètement écraser les cultures, la remorque dans le champ d'à côté, tu vois.
Tac. Donc ce sera un peu con que... Allez, encore quelques tours à faire. Bon, bah en fait, j'aurais pas besoin de mettre le liquide, l'anglais liquide et tout dans le... Après, en fait, je pense qu'on prend les jobs, on prend des petites choses dans le jeu qui permet d'éviter d'écraser les cultures, mais c'est un peu dommage parce que même les petites cours, en vrai, ça écrase les cultures, mais bon. C'est pour ça que moi je mets des petites coups, mais ça c'est un glitch dans le jeu en vrai. C'est un glitch parce que en fait toutes les roues écrasent les cultures normalement. Et même genre à toi, il va être d'accord avec moi. Si Jonathan m'entend. Ouais, je t'apprends. Ah, j'ai raison ou pas? Que en vrai toutes les roues écrasent les cultures. Attends, tu vas me laisser finir la ligne. Parce que comme t'es parti de l'autre sens de moi, bah ça fout c'est un petit problème ça. Hop. Attends, je recule. De passer. Vas-y. Et bah je vais partir derrière toi maintenant. Parce que maintenant on se gênera plus. Ah ouais, t'es dans le mauvais sens, hein, j'ai pris le mauvais sens. Oh, mais c'est pas grave, ça fertilise pareil. T'inquiète, c'est pas un problème. L'objectif, c'est de fertiliser la terre, c'est pas. Tu vois. Même si ça enlève la fertilisation. Bon, bah tant pis. C'est ce que je viens de voir. Hein? C'est en train d'enlever la fertilisation, c'est complètement con. Attends. Bah c'est bon, je passerai derrière. C'est pas grave, je passerai tout à Oh l'heure. bah y'a un bug, c'est toujours à 50%. Faut le mettre à ras ton machin. Il est descendu au plus bas. Parce que dans le champ de tournesol, je me suis aperçu qu'il fallait pour le mettre à 100%, fallait le mettre au plus bas. En vrai. Sauf si toi t'es en train de mettre de l'herbicide sans faire exprès. Non, Non, c'est j'ai sûr. pas mis le rouge. Ok, bah c'est bon. Ouais, bah je sais pas. Hop. Ah, peut-être qu'il faut mettre les deux anglais pour que ça serve à 100% en fertilisation. C'est la question que je me pose en fait. Bah c'est t'as l'anglais liquide et t'as l'autre anglais aussi. C'est pour ça que je dis ça, ou soit c'est... Ouais, moi je sais pas. Tac.
Fertilisé à 50%, ouais. Ah non, il y a un 51% dans le coin. Là, il y a un 51%. Je sais pas pourquoi il y a 51% dans ce coin-là. C'est complètement con, ça. Peut-être le terrain il bug là. Hop, allez, on va prendre l'autre sens. Oh là, j'ai un live. What? Quoi? Ben j'avance plus, je suis bloqué. Vous êtes sérieux? Bah oui. Tu vas où là? Ah, je peux plus. Prenne! Je peux plus retourner dans le tracteur. Prenne! Ah putain. Va changer dans un tracteur! Change de tracteur! Je peux pas aller dans aucun tracteur. Ah bah c'est le serveur. Je suis plus connecté dans la partie. Encore problème de serveur. Je vais t'acquitter la partie. Attends, je me reco. Ah, ils sont en train de se reconnecter. Ouais, bah, ça doit être moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, si tu cherches ton tracteur, il est dans le champ à côté, hein, dans le champ de leur voisin. Hein? Ouais. Quelle Ouais, chance. parce qu'il est parti tout seul, le tracteur est parti tout seul dans le champ voisin. Ton tracteur. Il est parti, ouais. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent là? C'est pas possible. Il était parti tout seul, j'ai vu rouler tout seul dans le Bah ouais, champ. mais il était pas dans ce sens-là. C'est pas, mais j'ai vu parti dans le champ. J'étais ici, je repartais vers là-bas. Bah oui, mais bon. Après, je vais essayer des pierres, c'est bizarre ça que. Donc, moi, le tracteur était parti chez le voisin, les gens, tout seul, quand j'étais court. J'attends, en fait, il a vu un ouais, tracteur rouler tout seul. Bah c'est ça en fait, t'as vu un tracteur rouler tout seul. J'ai pris un côté en plus, un pneu large, plate. Ok. Et on va aller voir si c'est gratuit, hein, putain, pour Non, ça. moins 1000 euros, c'est payant. Ah, c'est payant. Ouais, je savais, mes pneus que j'avais avant, bah maintenant, si je le remets, je peux le remettre, si je ne paierai pas. Et là, si je veux mettre mes pneus maintenant, là, confirmé, j'ai remis mes pneus maintenant. Là, je paye pas. Oui, parce que tu les as tout le Maintenant, temps. comme j'ai acheté les pneus plates, les pneus Mais machin. parce que les gros pneus que toi t'as d'origine, ils sont gratuits de base. Et là, maintenant, comme j'ai acheté les pneus étroites, les pneus
Et 3, t'as une place, mais il est gratuit maintenant. Oui, bah moi mes pneus, si je mets des gros dans mon tracteur, seront tout le temps gratuits. Je payerai pas moi pour les changer. Parce que les pneus de base sont gratuits, les pneus que toi t'as. Oui, quand les pneus, les roues que t'as acheté, bah après tu payes pas. Oui, parce que moi je les ai tout le temps moi, ouais. Bah je les ai achetés dès le début parce qu'on en avait besoin, ouais. Là, tu sais, j'ai remis mes pneus de base, et après j'étais pour remettre mes pneus plates aussi. Et c'est, j'ai pas payé. Ouais, bah comme moi quand je vais mettre, si je mets des gros pneus sur mon tracteur, moi je payerai pas du tout même. Même s'ils sont nouveaux, je payerai pas non plus parce que c'est des... Ils sont gratuits de base. Ouais. Et comme t'as acheté les pneus, les roues, ils appartiennent maintenant, t'as pas besoin, tu peux changer comme tu veux. Tu vois. Ah oui. Mais bon, moi je garde mes pneus, moi je m'en fiche un peu en vrai. Ah moi je vais les mettre parce que tu veux aussi peut t'aider à faire les côtes. Bah c'est pour les champs parce que sinon tu vas écraser toutes les cultures. Mais après si je veux je peux le remettre mes pneus. En fait c'est simple, dès qu'il y a des cultures écrasées aussi qui sait. Après si je veux je peux le remettre mes pneus. Oui, je suis d'accord. Mais je te dis encore une fois, dès qu'il y a des cultures écrasées, on sait qui c'est. À part si moi je prends mon tracteur pour aller faire exprès d'écraser les cultures. Mais après je dirais que c'est Jonathan parce qu'il y a son prénom dessus. Quel enfoiré moi. Le mec il va prendre le tracteur de Jonathan pour aller écraser les cultures pour dire que c'est Jonathan après. Par contre, en octobre, faudrait que j'aille vérifier le planning. Je sais pas si on peut planter du blé. Je crois qu'on peut aussi en octobre. Donc, bon. Parce que là, après, en octobre, on va faire les champs de tournesol et les betteraves en même temps. On va faire les deux. Par contre, la barrière que j'ai mis là, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'elle est gênante. Attends. Ah, mais avance-toi. Il passe 2 heures à mettre son route. Ah bah moi, je place correctement pour repartir. Hop. Après c'est la barrière je l'ai mise c'est bien mais elle est un petit peu gênante en fait de ce côté là du champ. Quand on y pense. C'est ça. Mais bon c'est pas grave. T'es nul, c'est pas mettre une barrière. Bah non pas vraiment, c'était le seul endroit où je pouvais la mettre à peu près correctement. Pour faire un truc propre. Hop, on relève, on fait demi-tour et on repart. Donc j'ai encore deux allers-retours à faire. Et là, faut que j'en fasse quoi dans l'autre champ après? La même chose que toi, que là. Dans le champ. Ouais, celui-là d'à côté, ouais, tu refertilises. Pour au moins minimum, remettre tout à 50% ou peut-être 100%, on verra. Je pense que ça va être 100%. Et le tournesol, faudrait que tu ailles regarder le champ de tournesol si c'est encore fertilisé ou pas dessus. Le dernier champ. Parce que comme je te dis, je l'ai fait au mois d'octobre le champ, donc je sais pas si c'est encore fertilisé, tu vois. Ah, ok. J'ai plus du produit, je vais le chercher. Par contre, l'engrais liquide, ça se vide vite. Ouais. Je vois ça. Hop, encore un retour. Faut pas rouler comme un de raté, Jonathan. De raté, c'est qui est arrivé vers moi, il fait une marche arrière sans regarder à droite et à gauche. Il y a une machine derrière, donc je vois rien.
qui est parti. Bon, on va bientôt avoir fini notre première VOD, les gens. Semer du blé. Déjà. Hop. J'avais ça parce qu'à un moment, pour reprendre le... avec la machine, comment dire, avec la batteuse, là, faut qu'on coupe les arbres, ça va se me gêner. Ouais, mais c'est l'année... T'inquiète, c'est que l'année prochaine. Attends, je voulais voir un truc. Blé. Blé. Ah oui, on pourra en planter en octobre, donc les deux autres champs, on pourra mettre du blé aussi dedans. Enfin, c'est ce qu'on va faire. Après, sauf si tu veux mettre de l'orge, mais bon. Est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'orge? Je sais pas. Je vais faire un champ d'orge au mois d'octobre. On va faire ça. On va mettre un champ d'orge et un champ de blé en octobre, Jonathan. Bon allez, on va aller vider le semoir. Tranquillement. Donc ça, le semoir, je crois que c'est la première, si je me trompe pas. Hop, et on va aller ranger ça. Avant, on va le laver. Pour le mettre tout propre. Hop, ça s'est rangé. Bon, allez. J'ai juste, avant d'arrêter la VOD, j'ai juste testé les pierres, les mettre dans la remorque parce que bon. Tac. Pas de durée, ça a pas marché. Attends, je vais aller voir ça. Ouais, on va mettre que 54% dedans. On va mettre un peu moins. Hein? Parce que normalement, ça doit marcher en mettant moins.
Bah ouais, Jonathan, ça marchait pas, hein? T'en mets moins dans la godée, ça marche! Je me le disais bien que ça pouvait marcher, faut juste en mettre moins. On sait que c'est lourd, donc on en met que la moitié des pourcentages et ça rentre. Tac. Ça marche, j'attends. Ça va, tu m'en trop toi. Alors faut en mettre moins. Tu sais que ça va se renverser, donc quand t'en mets moins, bah d'office ça va pas se renverser, tu vois. Tu avais pas pensé à ça. Après, faut pas avancer trop vite non plus. Là, j'ai senti que le Manitou allait partir. Quand tu vas doucement, et voilà, tu vois. Hop! C'est bizarre, j'ai mis toutes les pierres dans la remorque. Je t'avais dit qu'il y avait toujours une solution au problème, Jonathan. Là, voilà, c'est fait. Maintenant, je peux aller vendre des pierres. On trouve toujours des solutions, Jonathan, ouais. Genre, j'allais pas laisser des pierres dans la cour, c'est dégueulasse. Tac. Allez, maintenant on peut C'est vrai ranger. que dans le farming, il a dû faire un système. Non. Quoi? T'as failli de renverser le tracteur? Ah Non, c'est pas pourquoi il m'a enclenché l'IA, c'est pas pourquoi. mince, j'ai éteint le truc. Hop, c'est rangé. Bon, bah, j'allais vider la remorque maintenant. J'allais voir où on vend et après, j'ai arrêté l'épisode. Moi, bon, exceptionnellement, je vais prolonger un peu l'épisode parce que je vais pas faire un épisode de livraison de pierre, c'est complètement débile. En vrai, c'est vrai. Faire un épisode de livraison de pierre. Oh, c'est dommage qu'ils ont dû faire un système où soit les pierres, ou soit si on peut faire des systèmes de nous goûter, on peut creuser la terre à la place de passer par le menu, tout ça. Tu sais, quand on installe les bâtiments, c'est nous Ah qu'on installe la ouais, terre et tout avec nos véhicules. c'est ça peut Ça être veut dire bien, de mais passer par le menu, mais c'est bien. Ça. ça peut être bien, mais surtout long à faire. Après, chacun son côté. Après, tu peux faire un système de menu ou un système de creusement. C'est bien. Tous les véhicules pour creuser, pour mettre le bâtiment et tout ça. Tu crois quoi? C'est mieux après. Ouais, mais ça s'appelle plus Farming Simulator 2022, ça s'appelle Terrassement Future Simulator. Non, mais de la famille à deux. Certains, dans les vrais fermiers, leur bâtiment, ils font leur même. Hein. Ils ont leur véhicule, les tracteurs, avec les godets et tout ça. Ils emmènent la terre et tout. Souvent, ils ont des professionnels qui le font. Ah non, mais de côté chez moi, ils font le même. C'est les maçons et tout qui y vont, ils s'emmerdent pas. Mais tu utilises ton véhicule. Des choses qui est bien. Tu sais, les pierres, tout ça. Ça irait bien de vendre au chantier, tout ça. Ils ont besoin. Ouais, mais je te dis, après c'est un jeu, il faut pas non plus aller trop loin de ce côté-là. Et en plus, y en a certains, ça les fait chier de faire ça, je te le dis. Et dans les croûtes là aussi, c'est pas assez pour emmener les pierres dans une carrière à la place d'un magasin. Tu rentres dans une carrière, tu sais, pour ramener les pierres. Tu vois quand même. Ouais, mais ça, c'est des maps. C'est une map, ça. Une map peut faire ça, oui, après. C'est Tac. bien ça à la place d'un magasin, tu ramènes les pierres dans une... tu rentres dans une carrière pour emmener déposer des pierres, vendre. Mais moi, après, l'histoire de ce que tu disais, faire du terrassement et des trucs comme ça, à mon avis, ça ferait vite chier les joueurs. Au bout d'un moment, il y en a qui diraient, alors stop, on joue plus à Farming. Tu vois.
Parce que après, on n'est pas non plus sur bâtiment simulateur. Tac. Bon, on va pas gagner grand-chose avec les pierres parce qu'on a que 7%, mais bon. Ça va être vendu au moins. On sera débarrassé de ça. Tac. C'est la première fois que je passe par ici, c'est sympa aussi de ce qu'on a là. De la map. Allez, on tourne à gauche là. On a gagné 243 euros. Ah putain. On va pas aller loin avec 243 euros, j'en ai trop. C'est normal, on n'a pas beaucoup de pierres. Ouais, mais bon, 243 euros, on va pas aller loin quand même. Oui, mais on a pas beaucoup. Si on avait la rama complète, là, on fait plus. Ça. Réfléchis quand même. Ouais, mais bon, on va pas aller loin avec 243 euros. Bon, on a pas le choix de l'enlever les pierres. Tu veux qu'on fasse quoi? Par contre, je sais pas où ça met ça dans les finances, ces revenus-là. Dans autres, je pense. Ah, ça les met peut-être dans autres. Le moins 9 450 euros qu'on a dans autres. Je Ah pense bon? que c'est là que ça apparaît. Parce que sinon, je vois pas les revenus de ça, des pierres. Bois vendu, balle vendue. Ouais, c'est d'être en. Prends du vendu. Ouais, c'est d'être en autres. Le joueur attend. Animaux vendus, construction. Ah, ou dans construction, peut-être. Ah, peut-être en construction. Je sais pas. Soit haute, soit construction. Mais par contre, excuse-moi, pour aller au machin pour vider les pierres, c'est vraiment mal foutu. Ah bon? Ah bah, faut rouler dans l'herbe. Sinon, tu peux pas y aller. Tu passes quoi? On est obligé de prendre les pierres pour éviter les problèmes. Ah, je sais, mais la prochaine fois que tu iras, tu vois. Un jour, tu iras vider des pierres, tu verras que tu vas être obligé de rouler dans l'herbe pour y aller. Y a pas de chemin pour y aller parce que c'est derrière. Et derrière, y a pas de route. Allez, on va aller ranger la remorque et bah voilà. Donc, Là, c'est fait, c'est rendu. le tournesol, t'as regardé si c'est fertilisé ou pas? On l'a fertilisé. Ça reste toujours 50. Ouais, mais t'as fini tout, c'est pas grave. Non, le tournesol, le champ de à côté encore. Celui-là qui est en face de Oui. toi. Moi, je pense qu'il faut pas mettre que de l'engrais liquide. Je me demande s'il faut pas mettre un deuxième engrais dedans. Bon, c'est pas grave, mais. À mon avis, l'engrais liquide, ça fait que 50%, tu vois, Jonathan. C'est mon avis. Alors, tournesol. Il est à 100%. Ok.
Donc ouais, il doit avoir un autre engrais. Je sais plus. Il doit avoir un deuxième engrais à mettre normalement. Je pense qu'il y a engrais liquide et peut-être de mettre du. Ah! Peut-être qu'il faut mettre de. Tu vois les trucs des vaches là en plus. Pour faire la Ah fertilisation oui, totale. faut qu'on prenne des croûtes à la vache alors. Non, il faut avoir des vaches surtout. Et on n'a pas de vaches pour l'instant. Donc c'est pas grave. On laisse tomber pour l'instant. Bah tu sais plus, on aura des vaches à la force. Oui, mais pas tout de suite. On va attendre un peu. Tac, j'arrive. T'as pas vu ça? Où ça? C'est le croûte là. Ta barre. Quelle barre? Ça c'est bien. Ah là, bravo. Bien joué les créateurs. Viens voir, suis-moi. Attends. Je vais ranger la remorque et j'arrive. Ah là, bien joué. Mais moi j'en ai pas. Je vais remplir un autre, comme ça je te la montrerai un test. Voilà, c'est bon, j'ai rangé le tracteur. Là, on va. Viens voir, Kev. Où ça? Viens vers moi. Je vais déplier, je te fais mon gars. Ah là, c'est ça, c'est bravo. Je te félicite. Je vais taper plus haut, tu vois. Tu vois, si je démarre, t'as toutes les jets, ils sortent là. Oui. Et bah, si je fais. Attends. Non, c'est pas celui-là. Si j'enlève un morceau. Et bah, si je redémarre, t'as un morceau en moins. Ah ouais, les Du côtés, coup. ouais, je le vois, y a rien. Et bah, si j'enlève un autre. Ah ouais, c'est bien ça. Ah bah c'est bien ça, j'avais pas vu. Bah si, je savais pas que c'était ça. Vois? Bah t'es qu'au milieu là. Et là, l'arrière. Bon, y a un tout bout y a un bout de pipi là. Et là, je remets tout. D'accord, ouais, c'est bien ça. Bon, allez, bon, on a fini de semer le blé. On a fini de. Bon, on a vendu les pierres. Jonathan, lui, il a fini de fertiliser les champs. Donc, voilà. Donc, bah, pour cet épisode-là, je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, plus au monde. Attends.